Salut à tous les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Val, bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui, puisque hier, vous n'êtes pas sans savoir que le tout premier trailer de gameplay d'Assassin's Creed Mirage a été dévoilé pendant le PlayStation Showcase, donc, on va regarder tout ça ensemble, et on va l'analyser en détail, alors quasiment plan par plan, ça va pas vraiment être du plan par plan, mais on va l'analyser tous ensemble. J'ai eu l'occasion de le revisionner plusieurs fois, donc j'ai pu voir quelques petits détails, quelques petits éléments. Donc, écoutez, c'est parti. Je vous propose de regarder le trailer tous ensemble avant de se lancer dans l'analyse. Bah, c'est parti. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. Find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let's go. The stage is yours, Basim. We will be watching. Oh. Ah, donc c'est quand même très 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 stylé, vous avez pu le voir. C'est vraiment le tout premier trailer, la première révélation de gameplay pour Assassin's Creed Mirage. Donc bah écoutez, je vous propose d'analyser voilà, séquence par séquence, quasiment plan par plan, chaque petit détail du trailer. Déjà là, ça commence déjà fort. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que on a le retour de l'assassinat aérien. On voit donc la lame secrète qui est sur le bras gauche de Basim. Ses doigts qui sont coupés, ainsi que l'ensemble de sa tenue, donc qui est quand même plutôt stylé. On voit ses armes, donc il y a une épée à gauche, une dague, et une petite pochette sûrement pour les bombes fumigènes ou autres accessoires. Donc bah déjà, franchement, ce qu'on peut dire c'est que c'est beau. Voilà, déjà, bah, après on le verra un peu plus en profondeur dans le trailer. Mais c'est quand même vachement beau, ça fait très Assassin's Creed 1, très Assassin's Creed Origins. Voire même révélation un peu plus colorée, un peu plus contrastée, moins délavée que les précédents jeux Odyssey et Valhalla. Mais déjà, Assassin's Creed Origins, hein, si vous vous rappelez bien, c'était quand même une belle claque graphique, sincèrement, et là on sent qu'ils ont repris voilà, la vibe, le mood Assassin's Creed 1, Assassin's Creed Révélation, avec les graphismes un peu à la Assassin's Creed Origins. J'ai l'impression quand même que c'est un peu plus beau, un peu plus polish. Après, il y a quand même des textures, là je pense notamment au poteau sur la droite, au béton, là, c'est pas ouf ce genre de texture. Après, faut pas oublier que le jeu est prévu sur PS4 et sur PS5, et que c'est le même moteur que Assassin's Creed Valhalla, parce que de base c'était un DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Donc forcément, le jeu sera pas hyper hyper beau, faudra attendre les prochains projets Assassin's Creed pour ça. Mais je trouve quand même que, on le verra au cours du trailer, il y a quand même plusieurs plans qui font vraiment le taf. Alors, là, chose intéressante, je trouve, après on s'en doutait hein, très clairement, c'est que la lame secrète fait du one-shot.
ce qui n'était pas le cas avant forcément dans les deux précédents jeux, enfin les trois précédents, parce que dans Origins il fallait améliorer la lame pour qu'elle fasse un one shot, dans Odyssey il fallait équiper une tenue spéciale pour que on puisse faire du one shot avec la lance, enfin, on n'avait pas la lame, et dans Valhalla si on voulait faire un one shot il fallait activer une option dans les menus, donc là la lame pourra vraiment one shot, donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas vous, alors il y a quand même pas mal de PNJ à l'écran. J'aurais aimé en avoir un peu plus, personnellement. Un peu comme dans Assassin's Creed Unity, où on avait vraiment des grandes foules. On sait que Bagdad à l'époque, donc on est aux alentours de 860, c'était une ville voilà, très riche, très commerçante, vraiment une capitale culturelle, scientifique, etc. Alors je sais pas, on n'a pas encore vu vraiment le jeu tourner dans un gameplay non rythmé, là c'est juste un trailer, mais pour moi ça manque, je trouve peut-être un petit peu de PNJ, j'aurais aimé que ça grouille un petit peu plus de vie, qu'il y ait un petit peu plus de vie à l'écran, pour ma part. Là ce qu'on peut voir c'est un héros, alors si c'est vraiment, si c'est vraiment ce que je pense, on sait déjà qu'il y aura un système de recherche dans le jeu. Il faudra baisser ce niveau de recherche si vous êtes recherché, sinon vous allez vous faire défoncer par le moindre garde qui vous verra. On sait que a priori il y aurait les affiches qui feraient le retour comme dans Assassin's Creed 2, mais aussi du coup peut-être le système de crieurs publics. Voilà, il faudra les soudoyer pour éviter de se faire repérer encore plus et pour faire du coup baisser notre niveau de notoriété. Peut-être. Alors, déjà, après c'est, là on fait beaucoup d'arrêts sur image, hein, je suis désolé, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, de choses à dire pour le coup. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on garde la capuche tout le temps, ça c'est vraiment appréciable, on n'est pas à enlever et remettre la capuche comme dans Valhalla, la capuche elle est tout le temps, on l'a tout le temps. La tenue, aussi je trouve que c'est important d'en parler, elle rappelle en fait les premiers, on peut dire le premier Assassin's Creed, hein, puisqu'il y a vraiment le code couleur, voilà, blanc avec la ceinture rouge, donc ça rappelle vraiment les bases de la franchise. Autre chose intéressante sur ce plan, c'est que Bassim il est camouflé par des gens, alors est-ce qu'on aura le retour de la discrétion sociale, c'est-à-dire se planquer parmi les gens, se planquer parmi les moines, etc. pour s'infiltrer dans des lieux importants. On sait que l'infiltration aura une grosse importance dans Assassin's Creed Mirage, donc peut-être que on a là un petit aperçu de ce qui sera la discrétion sociale, peut-être. Alors, là on a un gros plan sur la lame secrète et le doigt coupé, hein, donc on peut dire que ici dans le trailer en tout cas, Bassim est déjà un assassin, puisqu'il a fait le rituel pour rentrer dans la confrérie qui est de se couper un doigt. On sait qu'a priori il y aurait des rangs, voilà, il y aurait des grades dans le jeu qui nous permettraient d'accéder à de plus gros équipements, à de nouvelles armes, de nouveaux accessoires, etc. Donc là on sait que Bassim il est déjà dans la confrérie, mais on ne connaît pas pour autant encore son rang. Donc là on a le retour de l'aigle, hein, qui était déjà présent dans les précédents. Et alors là on a un plan quand même qui est vachement stylé. Surtout celui-là. Hein. C'est vraiment beau, on voit Bassim qui est à dos de dromadaire. La ville de Bagdad au loin, donc la map semble quand même assez grande, moi je pensais que ça allait être moins grand que ça. On voit beaucoup de ce qui semble être des points d'observation en fait quand on regarde au loin. Beaucoup de tours, etc. Donc peut-être que c'est des points d'observation. En tout cas, moi, la ville me paraît vachement dense sur ce screen. Ça a l'air vachement plus grand que ce que je pensais, en tout cas. Et à mon avis, hein, ça doit tourner sur PS5, puisque ça a été dévoilé pendant le PlayStation Showcase. Donc c'est logique que ça tourne sur PS5, mais il y a quand même, on le voit au loin, hein, du brouillard, et la distance d'affichage, je trouve, est perfectible. Voilà. On sent quand même qu'on tourne sur le moteur de Origins Odyssey Valhalla, qu'il est un petit peu boosté parce que ça sort sur PS5, mais concrètement c'est pas la révolution quoi, c'est des trucs qu'on a déjà vu, donc perfectible je trouve, les graphismes. Là on voit l'entrée de Bagdad, donc la ville principale, la seule et l'unique ville principale du jeu,
qui serait a priori aussi grande, enfin la map serait a priori aussi grande que Paris dans Assassin's Creed Unity. Et on peut remarquer la forme circulaire de la ville, parce que Bagdad était comme ça à l'époque, hein, c'était un grand cercle avec plusieurs quartiers à l'intérieur. Donc on peut tout simplement remarquer ça, quoi. Alors là, c'est intéressant. On a un nouvel aperçu du parcours, le premier aperçu du parcours, semble être le même que Origins et que Valhalla, en un peu plus fluide. Après, encore une fois, c'est dur de vraiment statuer là-dessus, parce que on n'a pas encore de gameplay libre, on n'a pas encore vu le jeu tourner, jouer normalement. Là, c'est du trailer, donc on ne sait pas ce que ça donne réellement. Mais c'est vrai que les animations, alors même si elles semblent être plus fluides, elles semblent être s'enchaîner mieux, on va dire, que dans Valhalla. C'était vraiment... c'était lent, c'était chiant de faire du parcours dans Valhalla. Là, on dirait voilà, du Origins Valhalla plus, quoi. C'est vraiment... ça a été amélioré. On est loin de ce qu'on a vu dans Unity, par exemple. C'est dommage. Les développeurs avaient dit d'ailleurs qu'ils voulaient se rapprocher d'Assassin's Creed Unity pour le parcours de Mirage, mais je pense que alors, soit ils n'ont pas eu le temps, soit ils n'ont pas pu, parce que c'est pas le même moteur, enfin c'est le même moteur mais c'est pas la même version, donc ils n'ont tout simplement pas pu transposer ce gameplay là, mais je trouve ça dommage. Enfin, en tout cas, j'espère que ce qu'on verra dans le parcours plus tard, ça sera mieux que ça. Là, à vrai dire, franchement, pour être honnête avec vous, ça m'inquiète un petit peu. Parce qu'on sait que le parcours sera un élément majeur de Mirage, c'est un élément majeur d'Assassin's Creed, mais voilà, j'espère quand même qu'il y aura un parcours fluide, un parcours stylé. Après, là, je fais un petit arrêt sur image, juste pour vous dire quand même que c'est beau. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu dur. Après, il y a quand même des assets hein, qu'on reconnaît des précédents jeux, mais c'est quand même contrasté, voilà, il y a du contraste. Moi, Bagdad, perso, je l'imagine exactement comme ça. C'est beau, c'est coloré, c'est contrasté, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc là, on voit un nouvel élément de gameplay. Traverser un poteau pour... traverser une rue avec un poteau. Une sorte de perche, quoi. Ça change des tyroliennes, parce que des tyroliennes à toutes les sauces, ça commençait à devenir un peu relou. Donc c'est plutôt pas mal pour traverser de grandes rues. C'est plutôt cool. Alors là, ce qu'on voit, c'est que Bassim, du coup, il est probablement recherché. Parce qu'on voit un garde donner l'alerte. Il y a deux autres gardes dans la rue. Et si vous regardez bien, en dessous, juste en dessous de l'arbre violet, il y a une petite affiche. Alors, est-ce que c'est juste un truc du décor ou est-ce que c'est une affiche qu'on devra enlever pour faire baisser la notoriété? C'est aussi possible. Et en tout cas, dans ce cas-là, dans le cas de figure où on est vraiment repéré et traqué au maximum, apparemment, de ce que les développeurs nous ont dit, il vaudra mieux fuir, voilà, se barrer et se planquer que de combattre. Parce qu'apparemment, la difficulté sera vraiment importante dans Assassin's Creed Mirage. Il y a une plus grosse emphase qui a été mise sur l'infiltration. Donc voilà, il faudra mieux fuir apparemment. Ce que fait Bassim là, du coup, dans le trailer, hein, il balance une fumigène rouge. Et il s'en va. Alors là aussi on voit très vite fait hein, les animations de parcours quand on regarde bien. Et là on le voit monter, voilà, c'est la même animation que pour les précédents. Donc voilà, je pense que ça veut tout dire, faudra pas s'attendre à du Assassin's Creed Unity malheureusement. Alors c'est quand même joli, voilà, ce petit plan si j'arrive à l'avoir. Voilà, c'est quand même joli, coloré, il y a beaucoup de détails, il y a pas mal d'effets de lumière, etc. sur les mosaïques et tout. Franchement, on sent qu'ils ont vraiment voulu recréer le Bagdad de l'époque, comme d'habitude, chez Ubi. Il y a un effort qui est fait sur la direction artistique, donc ça c'est vraiment à souligner, c'est beau, voilà, c'est coloré. Je peux pas dire, enfin, on peut pas dire que c'est moche, là, franchement. Même si il y aura, je pense, au final, des textures qui seront pas ouf, parce que voilà, c'est pas un jeu full next-gen, c'est quand même plutôt beau, il y a pas mal de détails sur les pierres, les mosaïques, etc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. We need to find a way to get you inside without being seen. Là du coup, il est question de s'infiltrer dans un bâtiment.
Là, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que il y a plusieurs gros trucs de Mirage qui sont montrés. Il y a eu le parcours, là il va y avoir l'infiltration, et après il y aura le combat. Mais on sent quand même vraiment qu'il y a une volonté de revenir à l'ancienne. Ça c'est... Voilà, je pense que ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires hein, si... enfin en tout cas ce que vous en avez pensé de ce trailer. Après on n'a pas fini de l'analyser hein. Mais moi je le sens vraiment comme ça quoi, c'est plutôt cool. Là on va du coup passer sur un gameplay de nuit. On va devoir infiltrer une espèce de place forte. Et ça rappelle l'importance de l'infiltration dans Assassin's Creed Mirage. On voit plusieurs types d'ennemis, un lancier, un garde lourd. Et l'utilisation d'un couteau de lancer. Justement je vous parlais tout à l'heure d'une rumeur qui fait qu'on aurait plus de rang avec des nouveaux gadgets, etc. Peut-être que le couteau de lancer serait un de ces accessoires qu'on aura en montant les grades dans la confrérie. Voilà, ça pourrait être plutôt cool. Donc là, Bassim s'infiltre. Alors, chose importante, je trouve, c'est que j'espère, franchement, Ubisoft, j'espère Ubisoft Bordeaux, vraiment, vous avez amélioré l'IA pour permettre de l'infiltration cohérente. Parce que dans Assassin's Creed Valhalla, c'était à double vitesse en fait. Soit les ennemis ne nous voyaient pas alors qu'on était littéralement à côté d'eux, soit on faisait tout pour être discret et on se faisait sniper à 100 mètres quoi. C'était n'importe quoi. Donc j'espère que l'IA sera améliorée, que là ils ont l'air d'être un peu aveugles par contre, c'est un peu... bon voilà. Donc on verra bien, mais j'espère que l'infiltration sera vraiment bonne pour le coup. Que ça poussera à jouer infiltration, parce qu'au bout d'un moment, moi perso, dans Valhalla, quand je me faisais capter tout le temps, bah, je cherchais plus à m'infiltrer, en fait, je fonçais dans le tas, et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Là, on a vu le vol d'argent, je le rappelle que Bassim, ça sera à la base un voleur, hein. C'est juste un voleur qui se fait repérer et qui après rentre dans la confrérie des assassins. Le crochetage de serrure, le passage du temps... Et alors là, on a un aperçu, c'est assez intéressant. On a un aperçu de la vision d'aigle et... alors je sais plus comment ça s'appelle, cette capacité, j'ai un trou, c'est dommage. Mais en fait, il avait été expliqué que on aurait une capacité qui permettrait d'enchaîner comme ça les assassinats. Donc peut-être qu'il s'agit de cette compétence-là. Peut-être qu'il s'agit de ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me le rappeler, ce serait vachement sympa. Avec un effet de transparence, alors c'est pareil, ça j'ai un peu de mal dans les jeux. Hein. Les effets de surbrillance, de transparence comme ça, ça a tendance un peu à me... Comme là on voit Bassim sortir de nulle part, donc je sais pas trop... ce que ça va donner, moi j'ai un peu de mal avec ça dans les jeux vidéo, je trouve que ça casse un peu le truc. J'aime bien l'infiltration. Il y a beaucoup de jeux, quand tu t'infiltres, quand t'es discret, t'as un vignettage sur le côté de l'écran, t'as un effet sonore qui te dit « Ok, là tu rentres dans un endroit où tu es invisible. » Mais par pitié, arrêtez avec la surbrillance, avec les effets d'invisibilité et tout, c'est juste, ça casse le truc. C'est dommage. Donc je sais, après, je sais, encore une fois, on verra en gameplay, je pense. Je sais pas ce qu'il en est pour l'instant, après c'est juste pour l'effet du trailer, voilà, je sais pas, mais j'espère qu'il n'y aura pas des trucs de surbrillance et de trucs comme ça tout le temps, quoi. Après, ce n'est que mon avis, hein, pour le coup. Alors, là, on va rentrer dans les combats, c'est une phase qui est intéressante dans le trailer, qui perso m'a vraiment plu. Ce qu'on peut voir là, c'est que Bassim, il est contre un ennemi lourd, et c'est exactement la même animation que dans Valhalla. Cette animation-là, on l'a déjà. Après, je trouve qu'elle est quand même un peu plus fluide. Il y a des finish moves, Bassim il combat avec une dague et une épée, donc il y a le combat à deux mains, donc c'est quand même plutôt stylé. Après, je sais pas si on pourra combattre vraiment à une main, ou si on est obligé de combattre à deux mains. Enfin, ce serait stylé d'enchaîner des coups à la dague, quoi. C'est vraiment stylé d'enchaîner les assassinats, comme au bon vieux temps. Ça pourrait être cool, et du moment qu'il y ait des bons finish moves et des finish moves variés, comme on le voit ici, hein. Il y a quand même des mouvements très stylés. Ah, ça pourrait être cool. Le retour de la corde ascenseur. Pour aller sur les toits. Alors là, on a... Ça c'est assez intéressant. L'utilisation d'un élément de décor
pour assassiner une cible. Est-ce qu'on pourra le faire dans le jeu ou est-ce que c'est une cutscene? J'avoue, je sais pas du tout. En tout cas, on a vu dans le trailer que Bassim n'utilise pas sa lame hein, pour le combat. Et alors là, c'est le finisher. Bon, pour moi, ça m'a... Ce plan, il m'a fini, quoi. Clairement, Bassim sur un point d'observation de la ville, donc. Et on voit toute l'étendue de Bagdad. Voilà, c'est quand même vachement beau, c'est vachement grand, c'est dense. Et encore, on sait que la ville ne sera qu'une partie de la map. Autour, ce sera probablement de la campagne, du désert, etc. Comme on avait dans Assassin's Creed Origins. Donc, voilà, les toits sont quand même rapprochés, donc le parcours aura son importance, forcément. Et, si vous regardez bien, petit détail, il y a sur la gauche, au milieu à gauche, il y a une petite cabane avec un peu de toile, là. Donc peut-être que c'est le retour des cachettes, des fameuses cachettes sur les toits, comme on avait dans Assassin's Creed 1. Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, c'est beau, hein. Franchement. Le jeu, c'est dommage, je trouve le jeu aurait pu être plus beau. Enfin, c'est dommage. Je me contente de ce que j'ai, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Simplement, le jeu aurait été full PS5. Il serait sorti genre l'année prochaine. Il nous aurait sorti un banger absolu, même un jeu court, un petit jeu. Mais avec nous, le nouveau moteur graphique, etc., les nouvelles animations, ça aurait été incroyable. Mais voilà, je crache pas dans la soupe, hein. Là ça a l'air déjà très très bien. Après, encore une fois, on n'a pas vu le jeu tourner réellement, c'est un trailer de gameplay, donc c'est rythmé, etc., ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Mais voilà, c'est quand même plutôt stylé. À noter aussi, ça je l'avais pas vu tout de suite, c'est en regardant l'image que je le vois, c'est qu'on voit un petit peu aussi les remparts en forme de cercle là, sur le milieu de l'image. Et que le gros temple, là, l'espèce de... Alors je sais pas ce que c'est, si c'est une mosquée ou si c'est une place forte, ou je sais pas ce que c'est. Ou un palais, sans doute un palais, hein, peut-être le palais du chef de la ville à l'époque, le sultan ou je sais pas. Ça a l'air d'être le centre de la ville finalement, cet endroit-là, quand on regarde la courbure du rempart. Donc peut-être que ce sera une des grosses places fortes de la ville. On verra bien. En tout cas, c'est la fin du trailer. Une dernière chose qui m'inquiète un petit peu, vous le voyez là, le pack de luxe, le retour des skins et de la boutique de skins et donc des skins affreux qui n'ont rien à faire dans Assassin's Creed, ça je le dirai jamais assez, c'est un truc qui me gonfle, voilà. Clairement ça me répugne quoi, ce genre de truc, bref. Puis du coup on a eu aussi la date de sortie, hein. La date de sortie d'Assassin's Creed Mirage qui est prévue pour le 12 octobre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que y a quand même pas mal de nouveautés là sur Assassin's Creed en ce moment. Donc c'est le moment de vous abonner à la chaîne hein, pour ne rien louper de l'actualité sur AC. On sera en live le 12 juin pour l'Ubisoft Forward. Il y a des vidéos qui vont sortir prochainement sur Assassin's Creed Mirage et sur Assassin's Creed en général. Voilà, l'actualité reprend sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir de se remettre dans le bain. Sur ce, voilà, je pense qu'on a tout dit, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des infos, et puis portez-vous bien, et puis vive Assassin's Creed les copains, salut à tous.